Chers amis, on rencontre fréquemment dans le quartier juif une drôle de communauté dont les hommes portent le fez sur un faciès sémite. Leurs femmes, aux attaches fines qui les font distinguer des fortes filles macédoniennes, portent des voiles transparents. On vous dira que ce sont les Denmés. Médecin-colonel Gisor, division navale d'Orient, mars 1916. Guidés par ces récits, nous sommes partis à la recherche de cette étrange communauté. Notre quête nous a conduits d'Istanbul à Salonique, et de Salonique à Izmir, d'un bord à l'autre de la mer Égée. Nous pensions pénétrer dans un conte oriental, mais c'est l'histoire de la Turquie moderne qui nous fut contée. Les écrits sur lesquels nous nous appuyons décrivent les Denmés comme une secte secrète, pratiquant un judaïsme caché et perverti, sous une apparence musulmane. Dès notre arrivée à Istanbul, de multiples et extravagantes rumeurs nous parviennent à leur sujet. They are secret Jews. They always marry among themselves. I heard about this, these orgies that they were having. Between couples together, they do it within the family, even with children and parents involved. Pour la plupart des commerçants, on dit qu'ils sont un peu radins. C'est considéré comme naturel. You know that don't make it. A secret religious life, something between their Muslim appearance and their real Jewish believing. Dönmelerin sahte Müslüman kisvesinde Müslümanlar arasında büyük tahribat yaptığı, dönmeleri yabancı ajanlar olarak çalıştı. They would sell the country that they're not nationalistic enough. On dit toujours, on dit. Moi, je n'ai pas vu de mes propres yeux. Et même pour Atatürk, ils ont dit qu'il était donné. Some says to the other, hey, do you know this fellow or this lady, that lady? They are dummies. And ah, really? And what? How? And he says, I know, I heard. And so it gives fuel to rumors. Therefore, it's never investigated thoroughly. What Dönme is, it's, if it's a good thing or a bad thing, and it's not discussed. It's always, it has always become a subject of whispers and rumors. Selon les escales où l'exil les a conduits, ils sont désignés par différents noms. À Salonique, les Juifs les appellent les Sazanikos. C'est-à-dire les petites carpes qui nagent entre deux eaux et changent de couleur. Pour les Turcs, ils sont les Denmés, c'est-à-dire les convertis. The first time I heard about the word Denmé was from some guy on the street about my age, and he said Denmé from Salonika, and I said. Are you saying something bad to me? I didn't even know what he was talking about. And he said yes, and we had a fight. When my mother told me that we came from a family who had converted from Judaism to Islam in, 1666, she told me a little, but not much. I mean, she didn't tell me anything. I mean, she only said that we lived like Muslims on the outside, but her grandmother, her mother or grandmother, kept some Jewish customs, but I don't know what they kept.
Il nous a fallu plusieurs voyages pour nous rapprocher d'eux. Certains ont accepté de se dévoiler, beaucoup ont refusé. En échange de cette confiance, ils nous ont demandé la discrétion. Ne pas citer de nom, ne pas les confronter avec d'autres membres du clan. Bien qu'ils affichent un certain détachement, ils préfèrent parler d'eux-mêmes à la troisième personne, marquant ainsi une certaine distance. Ils diront souvent « ils », là où il faut entendre « nous ». Je me suis retrouvé jusqu'à une période avancée de mon existence sans rien connaître de cette aventure extraordinaire de mes ancêtres. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai appris que j'avais des origines d'Odmé. Je suis très, très remué par toute cette affaire, sur le plan sentimental, pas du tout sur le plan religieux, parce que pour moi ça n'a pas d'importance, mais essayer de reconstituer cette saga de la famille, expulsée par Isabelle la catholique, répercutée d'un point à l'autre du bassin méditerranéen, et se retrouvant à Salonique, où ils ont fondé vraiment une véritable famille. Ce qui m'a le plus étonné, c'est cette espèce de chape du secret, qui m'a laissé entendre que pendant plusieurs générations, cette famille a vécu dans la terreur. Dans la terreur qu'on découvre ses véritables origines et qu'il y avait vraiment un sens de la clandestinité qui était poussé au maximum, et seul le chef de famille détenait le secret et le transmettait vraiment quand il ne pouvait plus faire autrement. Si l'on chuchote à l'extérieur de la communauté, à l'intérieur le secret est de rigueur. Les jeunes gens apprennent tardivement et par hasard leurs origines, rarement avant 18 ans. Tout a commencé au XVIIe siècle sur les rives de la mer Égée à Smyrne. En ce temps-là, l'Empire ottoman est à son apogée. Il est composé d'une multitude de communautés ethniques et religieuses dont chacune bénéficie d'une administration relativement autonome. Au sommet de celle-ci règnent les pouvoirs religieux, musulmans, chrétiens ou juifs. Alors qu'il officie à l'âge de 20 ans dans une synagogue, Sabata Isevi, jeune rabbin de Smyrne, annonce que sont venus les temps messianiques et qu'il est le rédempteur attendu. Le récit des miracles qu'il accomplit alors se répand à travers toute l'Europe. On dit qu'un parfum suave émanait de son corps et embaumait l'air autour de lui, et qu'une lumière céleste irradiait de sa personne. On dit qu'il pratiquait d'étranges cérémonies, qu'il poussait des cris et des incantations. On dit que certains disciples ouvraient leurs toits et dormaient tout habillés dans l'espoir de s'envoler vers la terre. Fuyant les pogroms d'Ukraine ou de Pologne, fuyant les persécutions perpétrées par l'Inquisition d'Espagne, les Juifs affluent vers la rédemption que leur offre leur Messie. Il conduit son nouveau peuple sur les routes qui mènent vers la terre promise. Il s'entoure d'apôtres et de prophètes et se proclame roi des Juifs. Pour le sultan, le désordre qu'il engendre est vite intolérable. Il le fait arrêter par sa garde spéciale. Sabata Isevi est enfermé dans la citadelle de Gallipoli. Mais les disciples continuent d'affluer de toutes parts et se pressent sous ses fenêtres. Nous sommes en 1666. Alors le sultan lui soumet un ultimatum, la conversion ou la mort. Apprécier une nouvelle philosophie juive, une nouvelle interprétation de la philosophie juive. Et quand il a déclaré que c'était lui le Messie, puisqu'il avait un nouveau message, ce qui n'était pas rare au judaïsme, et aussi dans la chrétienté pendant les crises différentes, les juifs d'Izmir l'ont chassé, ce qui est très connu. Lui, il est venu à Thessalonique, à Salonique-Othon, et il a commencé à prêcher dans une synagogue, c'est-à-dire dans une communauté qui s'appelait Shalom, et n'avait pas un nom d'origine d'une ville comme les autres, comme Mallorca ou Varnaque, ou alors les autres communautés, les autres synagogues juives qu'il y avait ici, parce qu'elle était mixte. Elle était composée de gens de différentes provenances. Pour la plupart, pour commencer,
bien installés et riches, des maranos, c'est-à-dire des conversos, c'est-à-dire des juifs, qui ont déjà été des chrétiens, ils se sont réintroduits au judaïsme, et il a prêché pendant 10 ans, avant qu'il se redéclare qu'il était le vrai Messie. À ce temps-là, il y a eu une crise énorme dans la communauté, qui était une communauté, même dans la crise, c'est-à-dire une présence juive très très forte, et avait des relations très favorables avec le gouvernement ottoman. Et le grand rabbin, ou alors le rabbin, ont fait appel au gouvernement ottoman. Et on dit que cet homme a créé une crise idéologique dans la communauté et que les gens ne travaillaient plus, ils n'étudiaient que les textes mystiques avec Shabtai Tzvi, ils le suivaient partout et ça accélérait encore la crise. Alors, le gouvernement ottoman a arrêté Shabtai Tzvi et ils étaient prêts de l'exécuter. Quand lui, il s'est décidé de se convertir tout de suite à l'islamisme pour éviter sa mort. Tous les disciples qui étaient tout à fait fascinés, mystifiés par sa façon de prêcher, ont suivi ce qu'il a fait et ils sont eux aussi convertis en islamisme. C'est ça qui a donné le nom de Donmé, ce qui veut dire, c'est connu, quelqu'un qui change facilement d'une croyance à une autre, c'est ce qui change. Oui, Donmé. Le mot Donmé veut dire celui qui a tourné. Il désigne également le renégat, celui qui a tourné sa veste. C'est le nom injurieux que les Turcs donnèrent aux adeptes de la foi sabbatéiste après leur conversion. Ce sont aussi des murmures qui nous ont conduits jusqu'à la maison supposée de Sabbataï, à Izmir, l'antique Smyrne. On nous parlait d'un lieu de pèlerinage où les derniers adeptes venaient se recueillir et déposer des offrandes. Des bougies, disait-on, brûlaient en permanence. En fait, nous avons trouvé une maison en ruine, mais aucune trace de culte caché. Quelques pièces insalubres abritent encore pour quelque temps des ateliers rudimentaires où des ouvriers fabriquent des chaussures avec des gestes répétitifs. Le quartier n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. Les venelles sans pavés n'ont pas encore fait place au parking. Les ruelles bruissent encore des légendes anciennes et les habitants nous parlent de Sabbataï comme d'un voisin qu'ils auraient bien connu et qui serait parti récemment. On dit qu'il parcourait la ville sur un cheval blanc en chantant à tue-tête la Méliselda sous les cris de « Vive le roi d'Israël ». On dit qu'il a aboli tous les interdits, qu'il a changé les dates des cérémonies religieuses, substitué les réjouissances aux jeûnes et qu'il pratiquait les orgies. On dit que saisis de convulsions, les enfants et les jeunes filles en transe tombaient en extase et prophétisaient. On dit qu'il a vaincu le dragon. Sabbataï n'est pas mort. 18 fois, il s'est réincarné. De la synagogue, où 3000 croyants se pressaient pour entendre les prophéties, il ne reste qu'un fronton gravé surplombant une échoppe de chaussures. De l'âge d'or du judaïsme en terre ottomane, il ne reste que quelques ruines hantées par les fantômes de Sabbataï et de ses adeptes, dernier souvenir d'un séisme dont les échos perdurent depuis plus de 3 siècles. À un moment donné, je me suis quand même posé la question de mes origines. Je pourrais poser la question, est-ce que les Donmés sont considérés comme des juifs, disons, par, je ne sais pas quelle instance dit que, bon, là, vous êtes juif, ça, j'ai aucune idée, mais je me suis posé la question là, il y a quelques jours, est-ce que, par exemple, l'État d'Israël accepte
des immigrants qui disent, bon, écoutez, je suis un Denmet, donc je suis un juif. Est-ce que la communauté juive du monde mondial, la diaspora juive ou en Israël, considère les Denmet en tant que juifs? J'ai aucune idée. C'est un peu, je dirais, avoir une double identité en plus cachée doublement. Évidemment, c'est quelque chose de... Je comprends très bien si quelqu'un dit, bon, il y a quelque chose de louche dedans. Sabbatai Zevi fut-il le prophète célébré ou le charlatan dénoncé par les rabbins? I think he was a revolutionary. And now, I think he was trying to minimize the pressure of Judaism, all these laws of Judaism, or any religion, I suppose, that pressures people to do things they don't really want to do, and they only do them because religion orders them. So I think perhaps he was trying to get out of that. And I mean, we can turn back to my cookery book, because I was told by Nikos Stavroulakis that most of our dishes are non-kosher, in fact, anti-kosher. So that means that he was trying to get away from the kosher laws of Judaism, which I think is very good, because I don't believe in any laws as such that force people to do things. What I believe about Sabbatai Zevi is that this man was a great reformer. He took a very old religion with very orthodox views and ways and means, and in a way he modernized it. Maybe something like Martin Luther did with Christianity. I believe that this man founded something very interesting, very, very dynamic, much more dynamic than what we had before. I think ever since then he was under the protection of the Sultan. I think that as he was preaching in the Turkish Islamic mosques, he also made a lot of converts. I think the man was a great guy. I really admire him as a looking at it now as a historian, I think he was a fantastic person. Move people, not only from Judaism to Sabbataism, but also from Islam to Sabbataism. İzmirli haham olan Sabbatai, bir müddet sonra Yahudi havrası içerisinde belli bir revolüsyonu öngörüyor. Fakat ve de sonradan büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla hom yol diye bir tabir gelişiyor. Hom yol, yani on yol, var olan bütün dinlerden bir takım kuralları alarak yeni bir karma oluşturuyor. Ancak bu Havra ve Yahudi cemaati içinde kaldığı sürece bir tepki görmüyor tabii. Ama İzmir'deki Türk cemaati ve Müslüman cemaati içinde de kendisine taraftar toplamaya başlayınca o zaman sarayın ilgisini çekiyor ve bir tehlike olarak görülüyor ve bunun için de kendisinin Müslüman olmaya davet ediliyor, yani kellesini kurtarmak için bir yerde. L'unique trace religieuse visible qu'ont laissé les Denmet est ce temple qu'on appelle à Salonique Yeni Cami, la nouvelle mosquée, à la fois synagogue espagnole et mosquée rococo. Son architecture marie des symboles éclectiques empruntés aux différentes religions. Ce bâtiment extravagant reste une énigme. Nous n'avons pas encore aujourd'hui décrypté tous ses symboles. Fakat bunun da tabii ne kadar politik bir karar olduğu belli ki, yani ne kadar elhamdülillah Müslümanım deyip Müslümanlığı kabul etmiş görünse de sarayda, bunun sadece kafasını kurtarıyor ve derhal sürgün ediliyor. Ve kendi cemaatiyle beraber, artık Yahudi ve Müslüman veya Türk diye ayıramayacağım, kendine itikad edenlerle beraber Selanik'e bir nevi sürgün olarak gidiyor. Ve ondan sonra orada nispeten illegal bir ölçüde sürgün psikolojisinin getirdiği azınlık psikolojisi içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar.
L'histoire des Sassanikos est une succession d'exils depuis l'Espagne jusqu'à Istanbul, en passant par Izmir et Salonique. Aujourd'hui, ils préfèrent s'appeler les Selanikleurs, les Saloniciens, du nom de la ville à laquelle ils s'identifient et qui fut le lieu de leur dernier exil. Told me stories about her life in Salonika and that they enjoyed playing in the garden and going to the White Tower and taking something to drink in one of those patisseries near the White Tower. And she always talked of Salonika with so much nostalgia, so much love, that to me, Salonika is another home. I seem to feel Salonika. Of course, I don't know much about it. What she told me was not so much as the surrounding, but her own feelings and her own thoughts. I can also show you a lovely picture of my aunt. It's not well seen, but you can see there's a cigarette in her mouth, which is, at that time, I think, for young women or young girls, not very acceptable in a lot of places, but I suppose my family liked to do outrageous things. They enjoyed being different from the general society. They spoke about Salonika, something that has to be honored of. I'm being from Salonika is as if it's a matter of honor. And Salonika was a venerated name. It was a paradise. There was nowhere in this world which can equal to Salonika. And after all, it's a town where the founder of this country, who is very much venerated, he is also from Salonika, so it was a matter of an additional pride that you have something common with Kemal Atatürk. Therefore, we, those Turks who are of Salonika, are different than the rest of Turks, as if we are the privileged stratum of the society. La Salonique du début du siècle est une ville d'une vitalité exceptionnelle. Principal port marchand de l'Empire ottoman, situé au cœur de la Macédoine, c'est un carrefour intellectuel et commercial entre l'Orient et l'Occident. C'est la ville convoitée, véritable Babylone. Sa population est composée d'une mosaïque de peuples, bulgares, albanais, serbes, croates, arméniens, grecs et turcs. Les Dolmés sont parfois recensés comme juifs, parfois comme turcs. Leur communauté rassemble de 15 à 20 000 personnes, environ 10% des habitants de Salonique, autant que la population turque elle-même. Les Juifs composent la plus importante communauté de la ville. Ils y tiennent une telle place qu'on la surnomme la Jérusalem des Balkans. Ce sont principalement des Séfarades qui ont trouvé refuge dans l'Empire ottoman après leur expulsion d'Espagne en 1492. Ils représentent entre 40 et 50% de la population de la ville et parle le judéo-espagnol, qui est la langue commune et dominante de la cité. C'est aussi la principale langue des échanges commerciaux et portuaires dans le bassin méditerranéen. Ce qui est particulier à Salonique vers la fin du 19e siècle, c'est l'extraordinaire compétition scolaire entre les différentes communautés. Et je crois que l'implantation de l'Alliance israélite universelle, des écoles de l'Alliance israélite universelle dans ces années-là,
a beaucoup fait pour lancer cette compétition scolaire. Il a fallu que les autres communautés, les Bulgares, les Grecs, les Turcs musulmans, les Dolmés, répondent en fait à ce défi de l'occidentalisation et d'un enseignement moderne qui était lancé par les écoles de l'Alliance israélite universelle. Alors les Dolmés l'ont fait très, très vite, très, très rapidement. Ils l'ont fait d'autant plus qu'ils fonctionnaient avec, justement, une communauté assez forte, avec des mécènes, des gens qui pouvaient mettre de l'argent dans des écoles, et c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu, dans la communauté d'Olmé de Salonique, de grandes figures qui ont joué un rôle important dans la vie intellectuelle de la Turquie moderne, en particulier dans le domaine du journalisme, par exemple, ou bien de l'enseignement. Donc on retrouve, si vous voulez, des gens qui ont été un petit peu les représentants de cette communauté d'une façon particulièrement brillante. Alors, je pense en particulier à deux d'entre eux, mais on pourrait certainement en trouver d'autres. Un économiste, Javid Bey, qui a eu une carrière très, très brillante, puisqu'il a été à plusieurs reprises ministre des Finances des Jeunes Turcs, entre 1909 et 1918, et dont on disait à l'époque qu'il était l'un des meilleurs connaisseurs de l'économie et des mécanismes de la vie économique et financière dans l'Empire ottoman. Une autre figure à laquelle on peut penser et qui symbolise un petit peu la communauté, c'est un grand journaliste, Ahmet Emin Yalman. Et ce Ahmet Emin Yalman a été pendant des décennies vraiment l'un des très grands journalistes en Turquie. Et là aussi, si vous voulez, il y a beaucoup de Dolmés qui ont joué et qui continuent aujourd'hui à jouer un rôle important dans le journalisme en Turquie. Et donc c'est en cela que je crois qu'on peut parler de destin exemplaire. Alors que les Balkans sont secoués par des guerres fratricides, à Salonique vont éclore les mouvements politiques qui ne tarderont pas à mettre à bas l'Empire. Les mouvements réformistes grecs républicains et royalistes, les mouvements socialistes bulgares et les mouvements révolutionnaires et progressistes turcs se succèdent et se concurrencent dans les rues par vagues de manifestations populaires. Le sultan est destitué par le parti Jeune Turc, qui prend le pouvoir en 1908. Le nouveau gouvernement proclame la constitution monarchique inspirée par le modèle de la Révolution française et jette ainsi les bases de la future République laïque qui verra le jour 20 ans plus tard. Le Dolmés, les intellectuels, ils ont combattu. Il y a eu des dirigeants de jeunes turcs venant de Dolmés, dans des écoles de Dolmés, sciences positives, donc l'enseignement de langue française et d'autres langues étrangères. Et donc ils étaient dans le cadre des dirigeants de ce mouvement. Les journalistes qui écrivaient dans des journaux. Naturellement, il y a une coopération tout à fait égalitaire entre les Dolmés, Turcs, musulmans. Enfin, c'était un mouvement, c'était une révolution. I'm proud to say that these laic ideas came from Salonica. And to Salonica, they came from France. Because these young Turks were all educated in France, or in the French schools that we founded, the Turkish schools with the French teachers. L'Empire ottoman est chancelant. On l'appelle l'homme malade de l'Europe. Depuis 1912, les Grecs contrôlent Salonique. Pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs s'allient à l'Empire austro-hongrois et à l'Allemagne. En 1915, les troupes alliées de l'Entente cordiale installent à Salonique l'état-major de l'armée d'Orient en accord avec le gouvernement grec. Dans la ville sous pression, en 1917, un incendie se propage et ravage tout le centre qui brûlera 3 jours et 3 nuits. Les quartiers, où sont principalement installés les Juifs et les Dolmés, sont détruits. La moitié de la population de la ville se retrouve sans abri. Les autorités décident d'un plan de reconstruction qui doit sceller définitivement le destin occidental de la ville. Salonique devient chrétienne, grecque et rationnelle, sous la conduite d'un urbaniste français. La population change.
les Juifs et les Dolmés perdent leur position dominante. Beaucoup d'entre eux quittent la ville. Alors qu'ils se sont battus pour la modernisation, quand la ville devient définitivement occidentale, les Dolmés n'y trouvent plus leur place. Considérés comme turcs, ils doivent partir. Ce nouvel exil est scellé par les accords de Lausanne en 1923, qui décrète l'échange des populations entre la Grèce et la future Turquie. 2 millions de personnes sont jetées sur les routes de part et d'autre de la mer Égée. Les limites de l'Orient musulman sont repoussées plus loin, vers l'est, à Istanbul. Parallèlement à ce traité, la nouvelle Turquie émerge d'une guerre interminable. Elle est désormais délimitée par les frontières que nous lui connaissons aujourd'hui. Birinci Dünya Harbi'nin sonunda mecburi olarak Selanik'ten buraya adeta sürüldük. Yunanlılar tarafından tamamen mübadele diye bir anlaşma yaptılar devletler aralarında. Anadolu'daki gayrimüslim Rumları Selanik'e gönderdiler ve Selanik'teki de Müslümanları mecburi olarak Türkiye'ye gönderdiler. Dolayısıyla mecburi olarak Selanik tasfiye edildi ve İstanbul'a gelindi. Evlerimizi, mağazalarımızı, her şeyi olduğu gibi terk ettik ve burada da güya karşılığı olarak bir takım bir şeyler vermeye çalıştılar ama mağdur olduk netice ihtimalle. Installés à Istanbul, dans une ville restée traditionnelle, ceux qu'on appelle désormais les Saloniciens recréent des activités qu'ils ont dû abandonner derrière eux. Ils construisent de nouvelles écoles, relancent leurs journaux et leurs entreprises. Très vite, ils s'intéressent aux nouvelles techniques de pointe, en particulier le cinéma. Parmi les pionniers dans ce secteur, ils développent toutes les étapes de cette industrie, installent des laboratoires, construisent des studios et ouvrent les premières salles de projection. Ils sont producteurs et importateurs de films étrangers. Les aspirations modernisatrices des Saloniciens trouvent leurs applications dans la nouvelle République laïque d'Atatürk, proclamée en 1924. Mustafa Kemal Atatürk est né à Salonique. Il a été éduqué dans les écoles d'Önme. Lorsqu'il prend le pouvoir, il rencontre la ferveur inconditionnelle du peuple, mais se heurte violemment au pouvoir de l'islam. À travers une série de réformes radicales, il va imposer sa révolution à une société qui cherche à oublier l'Empire. Il fait adopter les caractères latins et lance un vaste programme d'alphabétisation à travers les écoles de la nation. Les femmes doivent quitter l'habit traditionnel et le voile. Les hommes abandonnent le fez qu'ils remplacent par le panama et le chapeau mou. Hommes et femmes sont contraints de s'habiller à l'occidental. À l'occasion d'un grand bal au Pera Palace, Kemal Atatürk impose la mixité. Désormais, les hommes et les femmes devront vivre et travailler ensemble sans discrimination. Les réformes sont brutales et mises en application immédiatement. Küçük yaşta gene biliyorum çevreme sorduğumda büyükannelerime, büyükannelerim her zaman hiçbir başörtüleri yoktu. Namaz da kılmıyorlardı, oruç da tutmuyorlardı. Tabii yadırgıyordum başka aileleri görünce. Siz niye oruç tutmuyorsunuz, niye namaz kılmıyorsunuz dediğim zaman bana verdikleri cevap, biz Atatürk Cumhuriyeti'nin insanlarıyız, biz laikliğe inandık, biz din Allah'la kul arasındadır, başka bir şeye gerek yok. Ancak sonra uzun yıllar sonra anladım ki beni
veyahut da bütün çevreyi laiklik kisvesiyle uyutup bu işi halletmek yolundaydılar. Yani laiklik onlar için bir yerde bir can simidi olmuş. La ville, à l'image de la société turque, reste aujourd'hui encore partagée en deux. D'un côté, les quartiers occidentaux modernes, de l'autre, les quartiers peuplés par les familles qui arrivent par milliers des régions orientales avec leur mode de vie traditionnel. Geleneksel aile yapısındaki pederşahi aile bir defa benim yakın çevremde mensup olduğum ailede görülmüyor. Kadının yeri çok yıllar önce daha hiç feminist hareketten bahsedilmediği dönemlerde çok farklı. Yani mader şahi demeyeyim ama kadın erkeğin çok daha eşit olduğu, kaç göçün olmadığı, zaten harem olayı olmadığı için üç jenerasyon önce de karı kocanın birlikte yaşam sürdüğü ve onun getirdiği eşitlikçi bir ortamın 3-4 jenerasyon sonra da olsa etkileri görülüyor. Yani aile yapısı, görüş ve mantalite farklılıkları. Dans une société musulmane, l'espace privé est désigné par la femme. C'est pour ça qu'on parle tellement du voile, de la place des femmes dans une société musulmane. Pose question, parce que c'est la ségrégation des sexes, mais ça signifie avant tout, effectivement, l'espace de privé, c'est l'espace de la femme. Donc, la sortie des femmes de cet espace est une question politique. La visibilité de la femme, c'était l'enjeu pour tous les mouvements progressistes dans les sociétés musulmanes. Donc, le kémalisme, le réformiste turc, je dirais, pour lui, l'enjeu principal, c'était la participation des femmes dans l'espace public, donc la visibilité de la femme. La visibilité corporelle, la visibilité publique, la visibilité en tant que citoyenne, car les femmes turques ont eu l'éligibilité, comme vous savez, le droit de vote avant même les femmes françaises. Donc tout ça signifie que, à la limite, le drapeau d'occidentalisation était porté par les femmes. En Turquie, c'est l'exemple le plus radical. À la limite, il y a une image de la femme idéale, il y a l'image de la femme kémaliste idéale, parce que vous ne trouverez pas, si vous voulez, le synonyme pour les hommes. Si vous interrogez les gens qui est quand même, qui porte le mieux le réformisme kémaliste, l'occidentalisation, c'est toujours l'image de la femme. Sabbatist group became the first real laic, I don't say secular, real laic community of Turkey, and famous intellectuals, leading figures of this community practiced a laic way of life and propagated laic ideology. Some people say that Turkish Jewry has not a great contribution, cultural contribution to the society. If so, I tell you, after 17th century, there was a decadence in Jewish community. They lost their role. They lost their zenith, economic, social, cultural zenith, which they brought from Spain, and which they had in 16th, 17th centuries. But after that, there was an economic decline, a social decline, and the community was isolated, became poor. So some people say there was no Jewish contribution to this society. Well, if so, then we should not hesitate to say that the role of cultural, social contribution to Turkish society is made by Sabbatist group instead of Orthodox Jewish groups. Batıya çok çabuk açıldıkları, çok iyi eğitim gördükleri ve ekonomide, basında, idari hayatta, kısaca toplumun nirengi noktalarında çok önemli yerler edindikleri için de tabii reaksiyon, kıskançlık
doğuruyorlar. Ve bütün bunlar bir araya gelince tabii ki Müslümanlarda bir anti dönme şeyi, temayülü gelişiyor. Aynen anti Yahudi, anti Mason temayüllerinin gelişmesine paralel olarak. Müslüman bir militanın ilk aklına gelen şey şudur. Yani Türkiye'de İslam'ı kim iktidardan indirdi? Ve tekrar İslam'ın iktidar olmasına mani olan kuvvetler hangileridir? Şimdi böyle bir tahlile yöneldiği zaman tarihi olarak bu çeşit zümreleri karşısında görüyor. Yani özellikle Yahudiler, dönmeler ve Masonların gizli bir takım hareketlerle Türkiye'de İslam'ı devirdiklerini, hatta Osmanlı Devleti'ni bir yerde yıkıma götürdüklerini tespit ediyor ve buradan bir alerji duyuyor. Ayrıca Türkiye'de hala bu grupların çok büyük nüfuzları olduğunu, yani kısaca kendi inançlarını bir yerde siyasi rejim haline getirdiklerini ve devamlı olarak İslam'ın Türkiye'de gelişmesine set çeken bir birer unsur olarak yer aldıklarını görünce de onlarla hesaplaşmadan hiçbir zaman Türkiye'de İslam'ı tekrar iktidar yapamayacağını anlıyor, böyle düşünüyor. Ve oradan ister istemez bu çeşit zümrelerle karşı karşıya geliyor. Yani bu tarih boyunca sürüp gelen bir ideolojik çatışmanın devamı mahiyetindedir. My father says, my father's fear is that if we are prominent in public life in Turkey, then we shall be somehow denigrated because of our ethnic, what we would now call ethnic identity, because of Jewishness, because of dönme. But I never understand how much it is from being Jewish, from my mother being Jewish, and how much it is from his own origins. The two seem to be very intertwined. So my father always says that I shouldn't speak about my origins, my identity to anybody, that it wouldn't do me any good, it would only bring me sadness, sorrow. Et pourquoi? Quel était le réel secret? That we were different, that we were not Muslim or truly Muslim, or that we were not the same as everybody else. Because this knowledge would have meant that we would be not persecuted, if you like, but not treated equally. Rejected? Rejected, not made part of the normal run of things in Turkey, that we would be also, there was a lot of, the implication was that we would be, people would be jealous of us. That was the implication. That we were more educated, we more modern, more enlightened than the rest, and people would persecute the enlightened. So we were part of the enlightened. You know, in that sense, being Salonican was presented to me as something very positive. The idea is that there are things that should be known or that can be known, and the littlest you know, the better it is. The less you know, the better it is. So it's not as though there is nothing to know there, that there isn't a past, there isn't a history, there isn't a difference that can be not can be known. That is accepted, that there is such a difference. But the point is that what that difference is shouldn't be given. And I wasn't given it either. I don't know what the difference is. So I know that there is a difference, but I don't know what that difference consists of. So the secret is what that difference consists of. So I don't know what it consists of, except that it's difference. Nous avons voulu retourner à Salonique pour tenter de retrouver ce que la ville a conservé de leur présence. Nous avons cherché les manoirs de style viennois qu'ils occupaient dans les faubourgs résidentiels. Sur les cartes anciennes, ces faubourgs ressemblaient à nos banlieues cossues. La maison K est le dernier vestige de leur grandeur passée.
Aujourd'hui restaurée, elle est transformée en un musée dédié à la mémoire de la ville. Most of Thessaloniki's past is vaporized. There are only some Jewish anymore in Thessaloniki, and there are no Muslims. We know that from tradition, from rumors, that after the fire of 1970, a lot of them were established near Yeni Jami, that was built by a Tomé. But we do not actually know, we have no real proofs to accept that Tomé lived nearby Yeni Jami in Thessaloniki. It is like that they had never existed. Something like the ghosts of the history of Thessaloniki. You hear about them, but you can never reach them. Quelques maisons désertées aux volets clos, comme une présence en filigrane, coincée dans la géométrie des avenues rectilignes, nous rappellent que la ville eut un jour un autre parfum. Du passé ottoman, aucune trace visible ne subsiste. L'amnésie enveloppe la métropole. Au centre de ce damier, l'emplacement de l'ancien quartier Dönme, détruit par l'incendie, a échappé aux promoteurs. Les fouilles archéologiques mettent au jour les racines helléniques de la ville, occultant son histoire récente. Quelques pierres tombales disséminées, abandonnées sur le chantier, témoignent de la totale destruction des cimetières juifs par les armées nazies en 1943. Elles nous rappellent l'absence des 80 000 juifs saloniciens exilés ou morts dans les camps. Religion was not talked in our family much, so they didn't tell me anything. And we were trying to assimilate into this community here where we're living. And not that we were religious, but at least as far as I know, my mother believed in God and Muhammad. And when she prayed in from the Islamic book, the Quran. I never heard them pray in any other way, but that doesn't mean they didn't. I never heard it. And as far as I'm concerned, I'm an atheist. I don't believe, or perhaps I should say an agnostic, but I don't believe in afterlife. I don't believe in heaven or hell. And I don't believe there is a God and that people have created God themselves. So to me, all this... religion, especially institutional religion, is very controversial to my way of thinking. If this is something that they cannot transfer to their sons and so on, how do they expect it to live? So I was thinking that if my father and our close relatives, uncles and so on, if they were maintaining this secret, they should pass it on to us. Who else do they have? But they have never tried this. I mean, I may be unusual, unorthodox, but when I was young, I wasn't. I was just a regular kid. They should have started to indoctrinate me at that time. And they haven't done anything like that. Ils ont voulu se débarrasser de cette histoire, ça c'est sûr. Ils n'aiment pas parler de cela, ils n'aiment pas revenir à cette histoire, cette question. C'était fini, c'était coupé, ils ne veulent plus entendre de cela, ça c'est sûr. En choisissant délibérément de se fondre dans la société kémaliste, les Dönme ont décidé de faire disparaître ce qui fut, peut-être un jour, une culture spécifique. Ils ont décidé de nier le passé, de l'oublier et de ne plus le transmettre. C'est le prix qu'ils ont dû payer pour leur assimilation.
mon père était le premier donc de marier un nom de mai, donc ma mère, ce qui fait que issu de ce mariage, je suis devenu ce qu'ils appellent un oignon amer qui peut rejoindre cette communauté de Donmay seulement par le mariage avec un Donmay. Bah, jusqu'ici, je ne suis pas marié avec un Donmay, donc je suis resté un oignon amer marié. Marié à une chrétienne. I was 20 years old. A cousin of mine, Özer Esen, and myself, we received a letter from somebody who was studying already in America. He was a few years older than us. He wrote us this letter. He says, if you want to look about your roots, open the Encyclopedia Britannica and into such and such a page. So this is the first time we heard of a possible connection. I learned the old Turkish calligraphy just so I could go into the past of my family and of my roots. I'm really looking forward to finding out. I also have a teacher who comes here every Wednesday. I pay him for the whole day. He stays here with me. He works with me. And we go into the old letters, in the old books, in the old calligraphy. We have not found anything but anything pertaining to Sabatay Sevi or pertaining to a double standard of life. So I haven't been able to find anything. I'm looking. Hocam, bunu bulalım. Ama herhalde bu tarafında yatar. Şey bu tarafta. Ils sont devenus de vrais Turcs, soit, mais sans racines. Nous attendions qu'ils nous racontent leur histoire. En fait, nous avons rencontré des hommes et des femmes plongés dans la même quête que nous. Un jeu de miroir s'est installé. À nos questions, ils répondaient par d'autres questions. Nous sommes devenus les intervieweurs interviewés. À partir des éléments épars que chacun possédait, comme les pièces d'un puzzle, ensemble nous avons reconstitué la saga de ces familles. Leur histoire leur apparaît mystérieuse et fantasmatique. Les souvenirs se mélangent aux rumeurs, et il semble maintenant impossible de dénouer la réalité des mythes. De chercher ses racines, c'est toujours une quête d'une certaine sécurité dans le monde. Donc, ça veut dire être enraciné, quelque part, veut dire être en sécurité. Évidemment, on a envie d'être en sécurité, mais en même temps, on a aussi toujours envie de partir de ses racines pour être en liberté. Donc, c'est quelque chose de très contradictoire, je crois. C'est pas seulement ton identité qui est intéressant, mais c'est aussi une question comment les gens te considèrent, quelle identité ils te donnent. Et évidemment, c'est, je veux dire, si je dis je suis un juif à Budapest, ou je me dis je suis un juif à Budapest, c'est en même temps quelque chose qui change, certainement qui change aussi ma position. Sauf que je sais que si je dis à mes amis juifs que je suis à Denmer, ils me diront, bon, écoute. donc, ça doit être pas très facile d'être Denmer parce que là, tu es accepté par personne, quoi. Si tu veux appartenir à une communauté. Ce qui est tentant de temps en temps, parce que ça fait partie du jeu, quoi. Ce qu'on appelle la vie. Seul un arbre généalogique permet de remonter la filiation jusqu'au temple de Sabatay Zevi. Ni juif, ni musulman, Sabatay a voulu échapper au carcan de la communauté. Il a fait de ses descendants des hommes sans appartenance et sans préjugés. Ils ne sont pas doubles, ils sont autres, entre deux,
à la charnière des religions, à la frontière entre l'Orient et l'Occident.